Expliquez-moi. Il n'y a que vous qui pouvez avoir une idée. Je suis patient, mais il y a des questions qui sont de telle stupidité que je renonce à répondre. Il y a des gens qui ont déjà voté. Mais bien sûr, c'est des grosses poussettes. Non, mais vous remettez en cause des travaux alors que là, on vous parle d'enveloppes récupérées sur des travaux qui. C'est l'occasion. La sécurité déjà, vous vous en foutez. Donc en fait, vous les enlevez. Après vous demandez. Mais vous inquiétez pas, parce qu'on s'en fout. Ça sera toujours mieux que ce que c'était avant. Ils seront plus en sécurité que ce qu'ils étaient avant. Voilà. Bien sûr, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, l'idée. C'est pas grand-chose. C'est un mot. Mais ça correspond à quoi? C'est bien, à des travaux, à des économies. C'est toujours pareil. Mais quelles économies vous pouvez faire sur votre compte? 1700, c'est de l'économie. Mais la voirie, c'est ça. Ah, ben là, maintenant. Monsieur l'adjoint, je ne sais plus à quoi, je suis là. Je suis rassuré. Je demande à quoi correspond l'économie. Bah, c'est l'économie. Merci beaucoup. Vous avez donné des arguments, à moins que mes collègues. Mes collègues, ils ont déjà compris. Ne les mettez pas, ils ont compris. Ils ne posent même pas de questions. Tout simplement sur la voirie, je l'ai dit trois fois. Sur la voirie, on ne dépense pas la enveloppe globale de 187 300 €. Je ne peux plus le répéter. Alors là, je ne sais plus comment le faire. C'est bon. Je viens voir qui est contre, qui s'abstient. Merci, le reste est pour. Merci pour. Voilà, voir. Donc le point numéro 10.